Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le début de Memento. J'avais commencé il y a un petit peu plus d'un an, il me semble, avec un assemblage qui était l'assemblage Amibois et la queue d'Aron d'Amibois. Pour recommencer sur de bonnes bases, on va travailler aujourd'hui sur un assemblage qui est le Mibois. Le Mibois, on va le décliner de différentes façons. Que ce soit le Mibois en L, le Mibois en T, le Mibois en croix, le Mibois en queue d'Aron débouchant et non débouchant. On va voir ça, et pour ce faire, vous pourrez télécharger sous la vidéo le petit livret Memento, le numéro 1. C'est un petit livret où vous allez retrouver à l'intérieur un petit dossier technique sur les assemblages à mi-bois, sachant que je n'ai pas détaillé la façon dont on réalise les différents mi-bois, puisqu'on va les voir aujourd'hui en vidéo. Le tout est suivi d'une mise en application, et c'est ce qu'on va faire avec ces différents exemples, puisque pourquoi travailler le mi-bois si c'est juste pour s'entraîner? Autant réaliser quelque chose. Pour ça, j'ai dessiné ce tréteau. Ce tréteau, vous l'avez vu si vous avez regardé ma vidéo du défi mini création Maxi Maker. C'est un tréteau qui a été réalisé entièrement à mi-bois, avec une partie supérieure ici qui est amovible. Cette partie supérieure amovible, mais qui sera chevillée, elle va nous servir à quelque chose de très précis. D'abord, ça pourra servir de tréteau classique, simplement pour travailler dessus. Néanmoins, vous pourrez vous servir de ce tréteau pour déligner aussi, puisque cette partie amovible pourra être amenée à être remplacée, puisque ça va nous servir de cale martyr quand vous allez déligner. Alors déligner du contreplaqué, du MDF, du bois massif, ce que vous voulez. J'ai dessiné ces tréteaux pour qu'ils soient suffisamment larges pour recevoir les plaques de contreplaqué, etc., etc. Alors pour cette réalisation, c'est simple, vous aurez ce livret. Comme chaque Memento, je vais réaliser un livret comme celui-ci qui est téléchargeable, que vous pouvez imprimer, etc. Il va contenir une couverture où vous allez toujours voir. Donc là, on a le dossier technique sur les assemblages à mi-bois et la mise en application. Je vous mets la photo du tréteau ici, où on voit bien donc les tréteaux, la cale martyr, et on peut travailler à hauteur dessus. La seconde page, vous avez un édito. L'édito, je vous explique pourquoi Memento et ce à quoi vous devez vous attendre en gros. Ensuite, on attaque le dossier technique. Je vous présente les différents mi-bois, des petits textes explicatifs. Et sur la partie basse ici, je vous rappelle que si vous voulez réaliser ça et voir les différentes techniques, il faut se rapporter à la vidéo correspondant au livret, c'est-à-dire cette vidéo-ci. D'ailleurs, quand vous allez reproduire, si vous le réalisez, ou si vous réalisez autre chose, que vous voulez voir juste une technique, puisque je vais détailler les différentes techniques, mais avec différents outils, vous pouvez aller voir dans la description, puisque j'aurai compartimenté la vidéo en chapitres. Donc, il vous suffira de cliquer sur le chapitre correspondant pour regarder juste ce qui vous intéresse. Ensuite, c'est la mise en application. Dans la mise en application, vous allez retrouver le tréteau, et vous allez retrouver tous les plans. Avec toutes les cotes, tout est détaillé. Je passe assez vite sur les plans, puisque les plans, on va les revoir en suivant. Et que si vous voulez les voir tout en suivant cette vidéo, vous pouvez d'ores et déjà aller télécharger le petit livret. Le livret, vous allez le télécharger dans le lien qui est sous la vidéo. Il va vous ramener sur le site internet que j'ai fait pour Memento, simplement parce que je ne savais pas où héberger tous les fichiers que je vais mettre en ligne, puisque systématiquement, il y aura des fiches techniques, des livrets, etc. Et que pour les retrouver et pour que ce soit ordonné, j'ai décidé de faire un site internet qui est plus là un... C'est plus un centre de ressources Memento qu'un vrai site internet. Et à la fin, j'ai rajouté une page me soutenir. Effectivement, Memento est gratuit, vous pouvez me soutenir de différentes manières. Je ne vais pas y revenir ici, puisque là aujourd'hui on va parler Memento. Mais vous trouvez cette feuille, si vous voulez la lire, vous la lisez, sinon bah tant pis. Pour réaliser ce premier numéro de Memento, donc on va réaliser ce tréteau. J'ai dessiné ce tréteau de façon simple, oui et non, puisqu'on va travailler un assemblage. L'assemblage à mi-bois n'est pas censé tenir tout seul, comme par exemple un assemblage à queue d'Aron ou un tenon mortaise chevillé par exemple. Néanmoins, notre mi-bois, on va le coller, le visser, le clouer, mettre un tourillon collé à l'intérieur, une multitude des deux. Nous aujourd'hui, on va sûrement coller visser, on va voir, ou coller chevillé. Je vais voir si j'ai suffisamment de tourillons ou si j'ai le temps d'aller en chercher. En tout cas, c'est pas grave, on va voir différentes techniques. Pour ceux qui se le sentent, à la base, j'avais dessiné ce tréteau que pour du mi-bois classique. Je vais vous le présenter avec le mi-bois à queue d'Aron aussi, puisque j'en avais déjà parlé, comme ça je serai revenu sur tout ce que j'avais déjà vu pour le montant
centrale. Le montant central sur le deuxième tréteau, on le réalisera avec des queues d'aronde, une queue d'aronde traversante en bas, une queue d'aronde non traversante sur le haut. Écoutez, j'espère que ce premier numéro va vous plaire. En tout cas, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois en entier. Et ensuite, vous pourrez voir les points qui vous intéressent directement en allant dans la description et en allant au chapitre correspondant à ce que vous souhaitez. Je vous souhaite une bonne vidéo et on se retrouve à la fin de celle-ci. C'est parti. Avant d'attaquer la préparation de ces tréteaux et que je puisse vous montrer les différentes techniques pour réaliser du mi-bois, sachez qu'il y a des techniques qu'on ne va pas aborder. Tout d'abord, on ne va pas aborder la technique du mi-bois à la scie sous table. Ça fonctionne très bien, je suis d'accord, mais ce n'est absolument pas sécuritaire parce que vous êtes obligé de retirer la cape de protection et que je ne peux pas me permettre de vous montrer quelque chose qui n'est pas sécuritaire. Quand vous allez travailler, peu importe la technique utilisée, sachez que vous devez toujours immobiliser votre pièce, que ce soit sur un établi, une table de travail, enfin toute surface qui va vous servir à travailler, que ce soit avec des outils à main ou de l'électroportatif. Vous devez travailler sur une surface bien stable et votre pièce doit être immobilisé. Dans les différentes techniques, on va travailler avec des outils à main. Donc les outils à main, on va utiliser ciseaux à bois, maillet, trusquin pour marquer. Je vous aurais bien montré, puisqu'il y a un outil qui est extrêmement pratique, qui s'appelle une guimbarde pour réaliser le mi-bois. C'est cet outil-là, je vous mets une petite photo. Malheureusement, je n'en ai pas. J'espère que j'en aurai une un jour, puisque c'est vraiment quelque chose qui me manque à l'atelier, qui est extrêmement pratique, surtout pour des petites retouches, parce qu'il est plus rapide d'attraper une guimbarde que de prendre la défonceuse et de faire tous les réglages. La guimbarde en plus ne fait pas de bruit, ça fait partie des outils à main qui sont extrêmement agréables à utiliser, mais je n'ai pas la chance d'en avoir pour le moment. Bref, donc on va voir ça avec des outils à main et après on va utiliser aussi de l'électroportatif. On va réaliser du mi-bois avec scie circulaire et ciseaux à bois. On pourra même utiliser un rabot, un petit guillaume ou autre pour nettoyer le fond, tout ça on le verra après. On va réaliser du mi-bois à la défonceuse, mélange de défonceuse de ciseaux à bois, et on verra comment travailler aussi qu'avec la défonceuse par exemple. Et on pourra être amené, pour ceux qui n'ont pas de défonceuse chez eux, à utiliser une affleureuse si vous avez une affleureuse. Et celle-ci pourra nous être utile aussi si on décide de réaliser des moulures, un profil, simplement pour ne pas laisser les arêtes vives. Les arêtes vives sorties de la rabot-dégo sont en général très tranchantes. Donc on va soit réaliser une moulure avec une affleureuse ou une défonceuse, soit casser les angles avec juste un coup de rabot. Sachant qu'aujourd'hui, je vais surtout m'attarder sur le mi-bois. Mais je vais quand même vous montrer toute la réalisation de ces tréteaux, puisque le but de cette mise en application, après, pour ceux qui le souhaitent, c'est de pouvoir reproduire ces tréteaux. Une dernière information, j'ai fait ces tréteaux assez bas, c'est-à-dire qu'on va finir à moins de 70 cm de hauteur, ou autour des 70 cm. C'est voulu, c'est-à-dire que j'ai déjà déligné sur des tréteaux plus hauts, puisque je m'en étais déjà fait une paire différente, certes, mais je m'en étais déjà fait une paire réglable en hauteur, et je me suis aperçu que quand les tréteaux sont trop hauts, c'est-à-dire qu'on travaille à hauteur, on est bien, par exemple, comme sur l'établi, mes tréteaux étaient un tout petit peu plus hauts, on travaille bien, on a la machine ici, par contre, quand on a besoin de voir de l'autre côté, on est obligé de se coucher sur la machine. Et j'avoue que c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé dangereux et qui ne m'a jamais rassuré au moment de travailler comme ça. C'est pour ça que j'ai décidé de réaliser ces tréteaux bas, ce qui nous permet d'avoir la machine au niveau des mains. Les bras sont lâches, ils ne sont pas tendus, ils sont légèrement remontés. Après, c'est à adapter à chacun au niveau de la hauteur. Je vous mettrai une petite note que je vais rajouter sur le livret. Enfin, pour vous, elle y sera quand vous allez le télécharger. Et le fait de travailler à cette hauteur-là, ça va me permettre à moi, déjà au niveau du dos, de soulager mon dos. Et en plus de ça, de voir directement où je veux couper sans être couché sur la machine, si j'ai besoin de voir de l'autre côté. Un dernier point.
quand vous allez réaliser, donc c'est très tôt, si vous les réalisez, ou si vous décidez juste de prendre deux morceaux de bois pour vous entraîner, ou si vous connaissez déjà la technique, peu importe. En tout cas, si vous décidez de reproduire, je vous ai mis dans le livret, et je vous la remets en bas, une adresse mail où vous pouvez m'envoyer les photos de vos réalisations, avec si vous acceptez ou non que votre réalisation soit partagée dans une future vidéo. Et j'ai failli oublier. Pour terminer sur les machines capables de réaliser un mi-bois, on a aussi la radiale. Je vous montrerai, mais je ne vais pas vous montrer sur le tréteau, puisque personnellement, ce n'est pas une technique très précise au niveau des réglages, et ce n'est franchement pas quelque chose que j'aime utiliser. Même si ma radiale est une bonne petite machine, c'est une Metabo, elle fonctionne extrêmement bien, mais je ne suis vraiment pas fan du travail à la radiale. Allez, on va commencer tout de suite par les pieds. Par contre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous montrer une ou plusieurs façons de faire pour usiner la partie inférieure des pieds.
Allez, c'est le moment de faire un petit point. On a bien avancé sur ce premier tréteau. Je vous ai montré une technique à la main, une technique avec défonceuse plus ciseaux à bois, une autre avec une scie circulaire et ciseaux à bois, et puis une autre mélangeant défonceuse et scie circulaire. Ça fonctionne très bien. Maintenant, on va passer à la traverse haute. Là par contre, ça va être une autre technique puisque ça va être du mi-bois non débouchant. Alors le mi-bois non débouchant, j'ai rien trouvé de particulier à vous noter à l'intérieur du petit livret parce que c'est pas quelque chose de conventionnel. Ça reste du mi-bois. En général, on voit du mi-bois non débouchant avec de la queue d'aronde. Sur ce tréteau-ci, on va continuer ici avec du mi-bois classique et celle-ci aussi. Donc le montant central ici va être fixé avec du mi-bois classique. Le tout sera chevillé, je pense. On verra ça après, de toute façon. Pour ce premier tréteau, je suis parti sur le principe d'utiliser le matériel comme si on n'avait que un ou deux mi-bois à réaliser. Chose que moi j'ai fait puisque je vous ai montré plusieurs techniques différentes, donc je n'ai pas utilisé deux fois la même pour un mi-bois. Par contre, ce qui est intéressant pour vous, si vous choisissez une technique et une seule, voire deux, c'est de réaliser des gabarits. C'est ce qu'on fera pour le second tréteau, où là, l'usinage va être beaucoup plus précis. Il y a une chose où il faut faire extrêmement attention, par exemple la défonceuse. Quand on l'utilise comme je l'ai utilisé tout à l'heure, les deux mains doivent être sur la machine, la pièce doit être immobiliser absolument, rien ne doit bouger. Et là, on vient travailler par passe avec la défonceuse. On fait attention puisque les mouvements de la fraise, vous allez voir, vous allez vite prendre l'habitude du mouvement de la fraise et vous devriez rester dans vos entre vos repères. Par contre, un accident peut vite arriver, la fraise peut vite partir si on accroche un nœud par exemple. C'est pour ça qu'il faut travailler doucement et par passe successive. Maintenant, si vous vous sentez de le faire plus facilement, et c'est ce que je vous conseille, avec des guides ou avec des gabarits, eh bien c'est tout de suite beaucoup plus simple. Par contre, c'est vrai que ça demande du temps de préparer des gabarits. C'est pour ça que, en général, quand on prépare un gabarit, ce n'est pas juste pour un assemblage, mais pour plusieurs et pour faire une série. Bref, je vais vous montrer tout ça dans la suite. Donc là, on va continuer avec les techniques sans guide pour cette partie-là et pour la traverse, le montant central, pardon. Et après, on passera sur l'autre tréteau avec des techniques quand même plus travaillé, sauf pour les pieds puisqu'ils sont déjà montés. Ah, et pour finir avec le second tréteau, le montant central, on le fera à queue d'aronde. Comme ça, ceux qui le souhaitent pourront travailler soit uniquement le montant central à queue d'aronde, soit tout le tréteau. Tout le tréteau est entièrement réalisable avec du mi-bois à queue d'aronde. Le mi-bois classique, comme celui-ci, va permettre une rigidité dans ce sens-là. C'est-à-dire que mon bois ne pourra pas aller de gauche à droite une fois collé, verrouillé, il ne pourra plus bouger. Par contre, il y aura une faiblesse au niveau de l'arrachement dans ce sens-là, au niveau de la rotation. Par contre, au niveau rigidité avec la queue d'aronde, la forme de la queue d'aronde fait que la rigidité sera encore meilleure. Là, ce qui est important dans ces assemblages-là, c'est d'avoir un ajustement parfait pour éviter d'avoir du jeu et de se retrouver avec quelque chose qui bouge en fait, qui est tout branlant. Sachant qu'après, vous allez coller, fixer, donc même si au début, vous êtes là pour apprendre, même si au début, vous avez du jeu, vous avez suffisamment de mi-bois sur un tréteau, sachant qu'il y en a deux, puisque ça va par paire, vous avez suffisamment de mi-bois sur tous ces tréteaux-là pour vous entraîner et réussir à atteindre quelque chose de tout à fait convenable. Allez, on poursuit.
Alors, je fais toujours une première passe en avalant. Normalement, j'aurais dû avancer dans ce sens-là, en partant d'ici et faire comme ça. Sauf que je fais toujours ma première passe en avalant. Comme ça, je suis sûr de ne pas avoir d'éclat ici. Vraiment, sur le pourtour de mon encoche, pour mon mi-bois là, tout ça, je n'ai pas d'éclat. Si je l'avais fait dans l'autre sens, j'aurais pu avoir des éclats. Mais le fait de faire cette première passe en avalant m'empêche tout éclat. Maintenant, je vais continuer en prenant une petite passe, puis une autre, et je finirai. J'aurais pu travailler à la profondeur finie avec la fraise, mais quand on travaille comme ça, sans guide, juste en la tenant, déjà là on est sur une largeur vraiment minimum, on ne travaille pas avec moins de largeur, sachant que vous pouvez coller un autre morceau à côté de la même section pour avoir une semelle, enfin une surface d'appui plus large, mais dans le coup, au cas où ma machine venait qu'à bouger un petit peu, je me garde toujours 1 mm de gras ici pour pouvoir avoir une surface bien propre et retravailler au ciseau. C'est vrai que c'est facile quand on a des ciseaux qui coupent extrêmement bien. Par contre, si vous avez des ciseaux qui ne sont pas affûtés, ça devient tout de suite beaucoup plus difficile, surtout sur un bois tendre comme le sapin. Il me reste juste à regarder la distance entre l'extérieur de ma bague de copiage et la distance de mon bord tranchant le plus proche et je vois que j'ai 10 mm. Vous êtes bien là, vous devriez bien voir. Alors imaginons, j'ai mon bois de 50 mm au carré. Il fait 50 par 50 par 50. Il fait 50 mm au carré. Bon, je veux réaliser ici un mi-bois, voilà, ça va donner ça, de 25 de haut. Et surtout en largeur, il doit faire 50 mm aussi pour que mon carré, ma traverse, puisse rentrer à l'intérieur. Pour ça, on va faire un gabarit qui va avoir cette forme-là, qui sera en contreplaqué et qu'on viendra poser sur notre planche ici. Il viendra par-dessus avec la défonceuse au passant, avec la bague de copiage, on va usiner notre encoche, notre mi-bois. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais vous expliquer un peu mieux après. Je vais avoir mon gabarit avec mon encoche, mon bois qui passe dessous, le tout sera fixé avec des serre-joints bien sûr, et mon encoche va être ici. Et comme on a dit, ça c'est ma fraise et la bague de copiage, ici on a 10 mm, donc je vais faire mon gabarit de 50 plus 10 plus 10, 70 mm pour obtenir une encoche de 50 mm. Je ne sais pas si c'est clair, mais maintenant on va passer à la pratique. Alors, pour ce faire, je vais utiliser un contreplaqué de 10 mm. Mes deux premiers traits sont à 70 mm d'intervalle. Mon gabarit, je n'ai plus qu'à le découper et il sera prêt à être utilisé.
Maintenant, on va passer au second tréteau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un gabarit. On vient de le réaliser, c'est extrêmement simple à faire. Je prends une encoche plus large que la différence qu'il y a entre l'extérieur de ma fraise et l'extérieur de la bague de copiage. Comme ça, en passant à l'intérieur, je suis sûr d'avoir mes 50 mm de fraisage, comme mes bois font pile 50, avec une encoche de 70. Je l'ai fait de 69,5 environ, pour pouvoir avoir un tout petit peu de gras, puisque j'aime bien que les assemblages, surtout mi-bois, soient serrés. Donc je vais le faire avec cette machine et une bague à copier. Vous avez pu voir, quand j'ai réalisé ce gabarit, que j'ai utilisé cette scie japonaise d'une façon un peu particulière. Je vous mets l'image ici de l'extrémité de la lame. Et en fait, c'est que cette lame de scie japonaise a la capacité de servir de scie plongeant en plein panneau, grâce aux dents qu'elle a au début de sa lame. C'est pas très commun, et c'est pour ça que je l'ai utilisé, parce que d'une, c'est bien pratique, et de deux, ça permet aussi de vous la faire découvrir. Tous les liens des outils utilisés de toute façon aujourd'hui seront dans la description. Maintenant, on va se servir de ce gabarit pour réaliser tout le reste des mi-bois pour ce tréteau, sauf pour le montant central qu'on fera à queue d'aronde, débouchante et non débouchante. C'est parti! Idiot qui a fait ses plans et qui a fait des mi-bois dans tous les sens, franchement. C'est moi. Ah là là. Quand j'ai tracé, j'ai bien aligné mes deux bois, mais j'aurais dû les tourner d'un quart de tour, mais mon mi-bois est pas du bon côté. Alors, si ça avait été du bois dur, j'aurais diminué en fait ici la moitié de l'épaisseur. Et j'aurais quand même fait un mi-bois, mais qui aurait été plus avancé. Là, c'est du chevron, donc c'est même pas la peine au niveau résistance. Surtout qu'il y a un nœud ici et il y a un nœud là. Donc pas de bol. Je vais le laisser comme ça. Et la traverse basse va être prise directement ici. Et elle sera chevillée avec des tourillons qui traverseront donc ce montant. Passeront à l'intérieur de la traverse, qui vont rentrer d'une bonne dizaine de centimètres, je pense. Et puis voilà, voilà comment rattraper une bourde. Ne faites pas la même. Donc là, je vous la montre pour que vous ne fassiez pas la même quand vous allez reproduire, si vous le faites, c'est très tôt. Et voilà, c'est ballot. Ça me fait un point. Pas grave, allez, on continue. En tout cas, une chose est sûre, le gabarit fonctionne super bien. Voilà pourquoi c'est la technique que je préfère, et n'hésitez pas à vraiment vous faire votre propre gabarit. Je l'ai fait à forcer. Donc là, ça fonctionne nickel, hein. Il y a aucun souci. Ça force super bien, ça jointe super bien. Mais je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Dans le coup, il va falloir que je recoupe celle-ci à la bonne longueur. Ah, et quand vous allez choisir, si vous prenez comme moi du bois de construction pour ça, des chevrons, faites gaffe, j'ai quand même trié sur place, mais celui-ci est caillé un peu là. Bon, c'est dommage. Je vais essayer de glisser de la colle dans la fente qui est ici, là, pour être sûr que ça ne s'éclate pas plus. Ce serait quand même dommage. C'est pour l'atelier, mais si on peut faire les choses bien, c'est que mieux. Éviter les erreurs. Ah ! En tout cas, grâce à ma lame à denture négative, on peut voir que même sur du sapin, je n'ai pas d'éclat.
La structure est faite, tous les mi-bois sont faits. Maintenant, on va passer à l'assemblage. Maintenant, on va fixer tout ça. Je vais vous montrer avec les tourillons et la colle. Mais pour le reste, je vais faire colle plus vis personnellement. Parce que c'est destiné à l'atelier, que les vis, ça fonctionne très bien. Que j'ai pas besoin que ce soit esthétique avec des chevilles par exemple. Donc je vais en faire une avec tourillon plus colle et tout le reste va être collé plus vissé. Je vais mettre deux vis systématiquement à chaque assemblage. Par contre, je vais utiliser des vis roquettes qui percent en même temps qu'elle visse. C'est pour ça que je ne vais pas faire de pré-trou. Par contre, si vous utilisez des vis classiques, je vous conseille fortement de faire un pré-trou avant. La rainure sur le dessus pour recevoir la calmartière se fera à la fin quand tout sera fixé. On continue. Aujourd'hui, parce que la vidéo m'a pris plusieurs jours pour faire ça. Aujourd'hui, on va continuer les tréteaux. On va d'abord tout poncer. On va faire la rainure sur le dessus et installer la calmartière en suivant. Une fois que ça c'est fait, on passera à une courte démonstration. Et après, je me dépêcherai d'aller monter tout ça pour que vous ayez tout en temps et en heure. Ce qui sera probablement impossible. Mais c'est pas grave, on continue. Et en plus de ça, hier soir, je me suis pressé à tout coller vissé. J'en ai chevillé donc que deux dans ce tréteau sur l'arrière ou sur l'avant pour moi. Bref, je les ai collés vissé parce que c'est pour l'atelier, que ça fonctionne très bien. En plus, c'est du bois de construction qui est pas sec du tout. Le bois n'a pas fendu du tout, même en mettant la tête de vis à fond. L'avantage, c'est que quand il va sécher, eh bien, il va resserrer sur les vis. Ça ne devrait pas bouger. Bref, par contre, j'ai fait une boulette. Et oui, j'ai été trop vite encore. Ça, c'est parce que je veux tout finir en temps et en heure, même si je sais que ça va être trop juste. J'ai oublié de profiler les pieds. Ouais, à la base, ils devaient avoir une forme comme ça, là. Mais comme ils sont déjà collés, je vais pas m'embêter plus que ça. Et je vais faire ce dont je vous avais parlé en début de vidéo, plutôt un angle à 45 degrés au bout du pied.
Voilà, ça ira très bien, ce sera tout aussi joli, voire plus même, puisque je me rends compte que si j'avais fait la coupe, j'aurais vachement affiné le pied. Et au niveau d'esthétique par rapport au reste, ça aurait dénoté. Je vais essayer de vous ajouter les deux modèles de pieds sur le livret, chose que je n'avais pas encore fait mais que je vais faire. Et je vais aussi rajouter une petite note, attention, quand vous allez réaliser les montants pour les adapter à votre hauteur. Certains ont déjà dû se faire la remarque, ils sont assez courts, ils ne sont pas très hauts. Mais c'est voulu, je l'ai peut-être déjà dit dans une vidéo d'ailleurs, je sais plus, c'est pas grave, il vaut mieux deux fois qu'une. Je les ai fait plus bas et je vous montrerai à la fin pourquoi, parce que c'est plus facile de se pencher par-dessus la machine si on a besoin de bien installer, de bien s'installer, plutôt que d'avoir quelque chose de trop haut et d'être obligé de se coucher sur la machine, où là c'est pour moi dangereux. Bref, on se fait les pieds tout de suite, ouais, on se les fait, et après, ponçage, rainurage, installation de la calvartière, on teste, et je me dépêche à monter tout ça. On fera une petite conclusion quand même avant. Allez, c'est parti.
tard, j'en ai fait une première avec les restes de mes bois, des bois que j'ai préparés pour les tréteaux. Avant de les raboter, en fait, j'ai coupé le surplus pour pas avoir une grosse épaisseur à raboter, ce qui m'a permis de sortir cette lengaine dans le coup après. Bon. Elle a... C'est bien parce qu'on économise du bois, mais il y a quand même un inconvénient certain, c'est que c'est du bois tendre. Et quand vous allez faire une première coupe, puis une seconde à côté, le morceau entre les deux va très vite éclater. Je préfère les faire avec du bois un peu plus dur, c'est pour ça que je n'ai pas encore percé pour cheviller, sachant qu'on cheville toujours en laissant un peu de jeu dans cette barre-là, pour pouvoir la sortir plus facilement. Sachez que c'est une possibilité, moi je la fais avec un bois plus dur. À la base, j'ai prévu ma cale martyre avec cette forme-ci. Mais après réflexion, j'ai peur que le petit bout ici soit plus fragile. Et honnêtement, sur la largeur du tréteau qui fait 1 mètre, je ne suis pas sûr que les 2,5 cm de chaque côté soient les plus utiles. Donc, pour éviter que cette pièce-là ne vole ou autre, qu'elle casse, j'ai décidé... Donc déjà, je l'ai fait en chaîne, la nouvelle... Et j'ai décidé de la recouper à 95 cm pour qu'elle fasse pile poil la longueur de ma rainure et qu'elle ne dépasse pas. Je pense que ce sera plus sécuritaire et ça évitera ce petit bout de voler à un moment ou à un autre et risque d'éclater de toute façon. Me suis-je trompé ou non ? Nous allons voir de suite. Il n'y a pas de jeu, mais on peut le retirer facilement. Honnêtement, ma traverse martyre est tellement bien ajustée que je ne vais pas mettre de cheville pour l'instant puisqu'elle ne bouge absolument pas. Mais si jamais je venais qu'à avoir du jeu, par exemple, je pense que je me rajouterais la cheville traversante que j'ai mise sur le plan. Et voilà, nous sommes sur la fin, vous avez pu voir cette petite démonstration, les tréteaux sont entièrement finis, j'espère que vous avez apprécié ce premier numéro de Memento qui m'a permis de vous montrer pas mal de techniques pour réaliser des mi-bois, sachant que je ne vous ai pas montré la scie circulaire, enfin avec la scie sous table, simplement parce que pour moi ce n'est absolument pas sécuritaire, même si on utilise un chariot ou autre, il y a toujours un danger puisqu'on retire la cape de protection. Je ne vous ai pas montré non plus avec la radiale, simplement parce que la butée est beaucoup trop loin pour pouvoir travailler avec des sections comme ça. Néanmoins, je ferai peut-être un petit complément
complément pour des petites sections où je vous montrerai comment faire avec la radiale. Maintenant, ma préférence va quand même à la défonceuse, plus bac de copiage, plus gabarit. Il n'y a rien de mieux. Vous allez certes passer du temps à fabriquer un gabarit, mais après vous pouvez enchaîner tous vos assemblages rapidement et facilement. Il existe aussi des gabarits tout prêts à acheter pour les défonceuses. Je vous mets une photo au passage. C'est extrêmement bien comme gabarit, sauf que ça a un coût. Donc si vous le pouvez, bah, je vous conseille de prendre ce gabarit. Sinon, faites-vous un gabarit comme j'ai fait avec le contreplaqué. Ça fonctionne aussi très bien. Bon, après, il faut vraiment prendre soin de bien réaliser son gabarit. Si vous faites un gabarit à la vite-vite, le problème, c'est que votre assemblage, eh ben, il sera pas joli. Si vous avez juste un assemblage, vous avez vu qu'à la défonceuse à la volée, ça fonctionne très bien. Il faut finir au ciseau, mais comme pour un gabarit, quand on est sur un mi-bois non débouchant, par exemple, il faut finir d'écarrir. Il faut mettre les angles bien à 90 degrés, puisqu'ils vont sortir ronds avec la fraise. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que certains vont se lancer dans cet exercice de réaliser ces tréteaux qui sont extrêmement pratiques. La hauteur, eh bien écoutez, je fais 1m82 et pour moi, ils sont très bien au niveau de la hauteur. Ça me permet de pouvoir m'appuyer sur la planche, même si vous ne me voyez plus là, comme tout à l'heure pour la coupe. Une petite vidéo au passage, une petite image au passage, et ça fonctionne très bien. Après, si je mets des plateaux plus épais, eh bien ça passera aussi. Si je mets du contreplaqué, du MDF ou n'importe quel autre panneau, ça va fonctionner aussi. Les calmartiers, le fait de les avoir fait en chaîne, je pense que c'est un plus, que ce sera beaucoup mieux que le sapin. Après, on verra dans le temps. Pour l'instant, je suis vraiment satisfait du résultat sur ces premiers très tôt. Au niveau des pieds, j'ai oublié de profiler mes pieds avant l'assemblage. Je dois dire que j'ai fait, après vous l'avez vu, une coupe à 45 degrés. Je trouve ça tout aussi joli. Ça évite d'avoir affiné trop les pieds et ça fonctionne très bien au niveau du look avec le reste. J'ai fait un quart de rond sur tout le tréteau pour casser les angles pour casser les angles, tout simplement. Je trouvais ça plus sympa. J'aurais pu faire un chanfrein et je pense que j'aurais même apprécié, mais bon, c'est pas grave, au pire, ça peut se reprendre, mais je vais pas y toucher. Je vais le laisser comme ça. Au niveau du collage en lui-même, eh bien, même si le mi-bois, à la base, n'est pas un assemblage très résistant, puisqu'il apporte que peu de rigidité, une fois qu'il est collé, vissé, collé, chevillé, collé, cloué, comme vous voulez, eh bien, ça fonctionne très bien. Hein. Je fais quand même un certain poids et les traits ne bouge absolument pas. Après, si vous pouvez le faire en massif, faites-le avec du bois dur, je veux dire. Si vous pouvez le faire avec du bois dur, faites-le avec du bois dur. Le bois de construction, c'est très bien pour ça. De toute façon, c'est pour l'atelier. Le seul inconvénient, c'est que j'ai quelques mi-bois qui ne joignent pas parfaitement parce que j'ai fait ça en plusieurs jours. Comme je peux pas travailler longtemps à l'atelier, j'ai fait ça en plusieurs jours et en général j'ai bridé, c'est-à-dire que mes bois, je les serrais avec des serre-joints sur l'établi le soir pour être sûr que, enfin quand j'avais terminé, pour être sûr qu'ils ne bougent pas, qu'ils ne vrillent pas. Et hier j'ai oublié de le faire et effectivement j'ai cette traverse là déjà, plus une ou deux autres pièces qui ont vrillé un peu, ce qui fait que ça jointe pas bien maintenant à mon mi-bois. Bon, une fois que j'ai assemblé, après on voit un petit peu. Il aurait fallu que je force un peu avec les serre-joints pour redresser tout ça, mais c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave et ça me choque pas. C'est pour l'atelier. C'est pas comme si c'était un super meuble. De toute façon, j'aurais pas pris ça comme bois pour un très beau meuble. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ce premier numéro de Memento. Vous pouvez me faire vos retours par commentaire sous cette vidéo ou alors par mail, puisque vous trouverez dans le livret téléchargeable l'adresse mail pour pouvoir m'envoyer les photos de ce que vous allez pouvoir réaliser, ou simplement si vous voulez discuter du projet, que vous avez quelques questions sur cet exercice, eh bien n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Juste la prochaine fois je ne dirai pas à l'avance que Memento sort la semaine suivante, parce que là le travail était beaucoup plus gros que pour une vidéo classique. Et honnêtement, j'espère que vous la regardez et qu'elle est sortie en temps et en heure. Mais j'ai de gros doutes. Au moment où je vous parle, j'ai vraiment de gros doutes qu'elle sorte à l'heure. On verra. En tout cas, elle est faite. Vous l'aurez au plus tôt. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !